Welcome to the Arty City Show. We are at the Grand Palais in Paris, close to the Champs-Élysées, where the third edition of Art Paris Art Fair takes place. Art Paris is a modern and contemporary art fair gathering about 140 galleries from 20 countries. We are going to meet Guillaume Piens, the general curator, who tells us about its main highlights. For this 2014 edition, China is the guest of honor, and among the 90 artists represented, you can see behind me Yu Mingyun, famous for his laughing characters. We are fortunate to discover two of them today, Liu Bulin, known as the Invisible Man and famous for his hidden photo performances, and Li Wei, who dressed up in a cosmonaut outfit will fly under the nave of the Grand Palais. Later, we will be at the 104, a cultural center located in the north of Paris, to discover the installation of Prune Nourri, Terracotta Daughters, her personal interpretation of the masterpiece Terracotta Soldiers in China. Je suis avec Guillaume Piens, commissaire général d'Art Paris d'Art Fair, qui est devenu le rendez-vous incontournable de l'art à Paris au printemps. Alors Guillaume, vous avez travaillé à la FIAC, vous avez développé Paris Photo et depuis 3 ans, vous avez totalement relancé cette foire. Qu'est-ce que vous souhaitez proposer ? Je souhaite proposer surtout un rendez-vous de découverte, j'allais dire, en premier. Un rendez-vous qui soit aussi accessible le plus possible accessible pour le public à l'art contemporain. Je pense que c'est important. Je voudrais que vraiment on arrête de penser que l'art contemporain c'est inaccessible, c'est pour une élite. Je pense que Art Paris fait la démonstration qu'effectivement ça peut être un rendez-vous de qualité et en même temps que ce soit un lieu où on apprend, on regarde et on pose des questions surtout. C'est très important. Nous, on est une foire européenne qui regarde l'Est, c'est-à-dire que l'Est, c'est une direction géographique qui regarde en fait l'Europe centrale, la Russie et la Grande Asie, et qui en même temps regarde aussi des scènes émergentes aujourd'hui, où je pense, en tout cas c'est ma vision, que des choses nouvelles et des choses fortes nous arrivent en fait. En tout cas, l'intérêt de ce projet ici, c'est de montrer une scène chinoise qui est très multiple, hein, qui est très diverse, qui est très créative, et qui en fait ne répond pas du tout au poncif dans lequel on l'a souvent enfermé. C'est vrai que cette année, en fait, on a la possibilité de voir presque plus de 90 artistes chinois de différentes générations, donc on a aussi bien des maîtres modernes chinois, Zhao Wuqi, que des stars de l'art contemporain chinoise, et aussi toute une génération émergente qu'on voit beaucoup moins, et qui donc est née dans les années 70-80. Par exemple, là, je suis avec... derrière une installation de Zhang Ding, qui est un artiste qui est né donc en 1980 exactement. Et cette pièce est très intéressante parce que en fait elle fait allusion en fait à une histoire ancienne en Chine d'un moine bouddhiste qui était en retraite et qui en fait a été allé, à côté du temple. En fait, il y avait tout une cuisine d'un mets absolument délicieux et dont finalement le parfum tellement alléchant a finalement corrompu le moine. C'est qu'il a fait, il a sauté le mur du temps pour aller finalement goûter à ce festin. Et c'est quelque part aujourd'hui une façon de transcrire aujourd'hui la situation et de parler de cette Chine où effectivement il y a une grande corruption du pouvoir en fait. Donc il y a effectivement cette communauté d'artistes dans les 90 qui a vécu qui s'est réfugié dans un village à côté de Beijing qui s'appelle East Beijing Village et qui était une forme de communauté utopique artistique avec des figures comme Ma Liuming. On voit beaucoup les photographies ici de Rong Rong qui a photographié toute cette scène chinoise à ce moment-là. Donc il faisait des performances, c'était un de leurs moyens d'expression
Il y a cette performance de Ma Liuming où il marche nu. Donc déjà, lui, est un personnage très ambigu, en fait, avec des cheveux longs. Donc, on ne sait pas s'il est masculin, féminin. Et il marche nu sur la muraille de Chine, par exemple. Donc c'était évidemment très transgressif. Mais je pense que souvent, le corps, dans des pays qui ont connu une certaine forme d'oppression, est le seul moyen de vérité, en fait. C'est ça qui est... Je crois que c'est aussi quelque chose d'assez profond, en fait, dans cette connexion avec le corps. Le principal message, en fait, aujourd'hui, c'est aussi que ces artistes chinois se réapproprient leur histoire, en fait, et cette tradition chinoise, mais vue, revisitée avec un esprit contemporain. Je pense que ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui de l'art chinois. Alors, nous sommes sur le stand de la galerie Paris-Beijing qui représente Liu Bulin en Europe. Alors, Liu Bulin, nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes d'habitude l'homme invisible et vous frappez un grand coup sur cette foire, puisque d'entrée, nous pouvons apercevoir ce point géant qui accueille les visiteurs et qui est assez impressionnant puisqu'il fait 3,60 m de hauteur et 7 tonnes. Qu'est-ce que vous avez souhaité exprimer avec ce point géant ?这个作品的来源其实最早是来自于小时候的一个记忆，在我小时候看报纸的时候，因为它报纸里看到一个拳头把很多人打倒，我觉得现在我现在40多岁了，我觉得这40年过去了，就是中国的社会里边这个拳头的那种记忆还会依然存在，我用这个作品来询问，我觉得中国的这种这么多年的发展，是不是真的有进步？ Liu Bulin, c'est votre propre point que vous avez sculpté ? 那这个拳头是不是你自己个人的拳头，还是一个是你自己的拳头吗？ 是我的左拳，因为我画画还有做雕塑都是用左手，其实是我自己左手的一个放大。 Je crois que vous avez démarré par la sculpture avant de vous orienter vers la photo. Comment est venue cette évolution ? C'est une question非常好的问题。其实我上大学还有读研究生学的是雕塑专业，其实一直在学雕塑技巧方面的、写实技巧方面的一些东西。但是就是我的工作室被推倒以后， 我突然发现用雕塑语言来表达当时那种抗议，我发现特别无力，最起码还需要时间，我就所以说我用这种行为作品，把自己消失在那些工作室的废墟里的时候，发现特别直接，特别能够表达自己当时的心情，所以说就开始做这些 performance， 还有这种照片作品了。 Alors justement, vous vous êtes devenu internationalement connu grâce à cette série, Hiding in the City. Donc pour vous, comme vous venez de l'évoquer, c'est une autre forme de contestation. Est-ce que disparaître, c'est finalement exister ? Parce que, en fait, au début, je suis en train de me demander et de me demander. 不妥协。至于存在是真的存在还是假的存在，这个问题不是我关注的。 Vous habitez en Chine à Pékin ? 你住在北京吗？ 对，我工作生活都在北京。 La Chine est l'invité d'honneur de cette édition d'Art Paris Art Fair. Que pensez-vous de la scène artistique chinoise ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'on peut plus s'exprimer ? 中国当代艺术的发展，其实从开始有所谓的艺术市场，到现在也仅仅10年多一点的时间，其实还我觉得还是不是很成熟。因为中国也正随着这种经济发展、社会慢慢的信息的这种传播的这种便捷，我觉得中国未来会在艺术方面也会有更好、更
能够震撼这种或者对整个世界艺术有更多帮助的一些艺术作品出现。J'aimerais savoir est-ce que son nom que veut dire son nom en chinois？ 他想知道你的姓名是什么意思？刘是我的姓，柏林在中国的那个这个意思里边是一个生气勃勃的一个享受，生气勃勃的一条路吧。Donc il trace son petit chemin et fin à travers son art. 所以通过你的作品，你自己创造你自己的路是吗？是不是？啊，是吧？It is Thursday, the 27th of March. Li Wei is preparing a photo performance, a specialty of his own. It is called Li Wei Flies in Paris. You can see behind me the crane under preparation, and Li Wei, dressed up as a cosmonaut, will shortly take off to fly over Art Paris Art Fair under the nave of the Grand Palais. Li Wei is a 43-year-old Chinese artist. He is internationally known for his photo performances, where he portrays himself in very spectacular urban and contemporary landscapes, along with protagonists putting themselves in danger, but always in a funny way. Beyond the performance itself, these pictures illustrate the artist's concern for the loss of landmarks in Chinese society as a consequence to the fast-growing urbanization and globalization trends. Li Wei is an absolute search for gravity and levitation. It is a way for him to achieve some sort of freedom. We are at the 104, a cultural center located in the north of Paris, and we are discovering this spectacular installation by Prune Nourrie Terracotta Daughters. This monumental work is directly inspired by the army of Xian in China, where the Emperor Qixi buried himself with 8,000 soldiers in terracotta, precisely. Prune Nourrie is a New York-based French artist who spent about 1.5 years in China to produce this work on the site of Xian, which illustrates her own interpretation of the terracotta soldiers who are featured as young girls. All her work is inspired by bioethics and birth control. Xian area in China not only welcomes these terracotta soldiers, a UNESCO World Heritage produced in 210 before Christ, it gathers as well inside its university sociologists who are working on the so-called gender preference that marked the preference of parents for the birth of a boy and has been translated into selective abortion practices over the past years. After her Holy Daughters project in India, Prune Nourrie is now interested by the demographic imbalance in China. India and China represent one-third of the world population and both have a similar demographic gender gap. Prune Nourrie has modeled 8 terracotta daughters after 8 Chinese orphans from 10 to 13 years old coming from the countryside where the gender preference is the strongest. The clay used is the same as for the genuine terracotta soldiers. Prune Nourrie has learned traditional Chinese technique of molding clay and has been working with artisans on the site itself. Based on these 8 original sculptures, 108 statues have been replicated to create a life-size army. The orphans were awarded a grant to finance their scholarship. After Shanghai and Paris, this exhibition will be touring Switzerland and North America. In 2015, the Army of Terracotta Daughters will be back in China to be buried in a secret place and then excavated in 2030, a date where the number of Chinese single males will be at its highest. This installation is displayed in the main hall of the 104 until June 1st and is a part of a collective exhibition avec motif apparent that will be lasting until the 10th of August.
This beautiful work by Miguel Chevalier, entitled The Origin of the Word, a special production for Art Paris Art Fair, lit up the facade of the Grand Palais during three evenings. Miguel Chevalier is a French artist born in Mexico. He is internationally known as a pioneer of virtual and digital art. He is inspired by biology and cellular activity. Slowly and then, faster and faster, cells multiply, split, fuse together, and proliferate. His work is also a tribute to Mexican muralists such as Diego Rivera, who created monumental works in public spaces so that art became accessible to the largest number. We will be back for another issue soon, and in the meantime, don't forget, be arty, be trendy,